Azar Shiva est à l'origine du mouvement MeToo depuis 1973. Azar Shiva est une artiste iranienne née le 23 juin 1934. Depuis 1960, elle a joué dans plus de 20 films qui ont rencontré beaucoup de succès. Elle est aimée et connue à travers de nombreux pays dans le monde persan, comme en Iran, le Tadjikistan, l'Afghanistan, Israël et tous les pays qui se terminent avec un stan, comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Azar Shiva est à l'origine du mouvement MeToo depuis 1973, au moment où elle était l'artiste numéro 1 et durant la période où elle obtient plusieurs prix nationaux et internationaux, elle a commencé à dénoncer le harcèlement et l'agression sexuelle dans le cinéma iranien. Elle soutient également la cause des femmes dans le cinéma perse. À cette époque, elle était l'artiste numéro 1. Elle a été invitée par un grand cinéaste américain pour rejoindre le cinéma hollywoodien. Mais juste après la révolution iranienne, elle reste bloquée à Paris sans pouvoir aller aux États-Unis. Elle obtient donc la nationalité française et elle commence à travailler dans une maison de retraite. C'est dans les années 90 que, suite à l'invitation de David Abassi, elle retrouve la scène et la radio en tant que responsable artistique de l'association culturelle France-Perse.